Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et les gens, aujourd'hui on est refait. Aujourd'hui les gens, on a reçu le colis de Nintendo. On l'a reçu aujourd'hui les gens, donc c'est un colis de Nintendo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu un gros colis de Nintendo, hein. C'est vrai. Ça fait plaisir en tout cas les gens, déjà rien avant d'ouvrir parce qu'on n'a pas encore ouvert. J'ai juste coupé sur le côté mais on n'a pas encore ouvert au-dessus. Faut pas hésiter à mettre un maximum déjà, de pouces bleus. Merci à Nintendo parce que... Merci Nintendo de nous permettre de faire cette vidéo. C'est un colis de malade. C'est un colis et, de dingue. Merci à eux de nous envoyer tout ça. Franchement les gens, faire péter un pouce bleu parce que c'est le jeu du moment en plus. Vous le savez ce que ça va être. Je demande bien ce qu'on fait en ce moment comme jeu. C'est un petit peu tous les jours ensemble, donc c'est vrai qu'on peut pas passer à côté. C'est Super Mario 3D World et Bowser Fury. Et normalement, il y a quelque chose qui est sorti en même temps, donc vendredi dernier, que ce jeu. C'est... Attends. On verra la fin. Bah, je pense que c'est ça, hein. Bah ouais. Je pense que c'est ce petit truc-là. Je pense qu'on va commencer par ça. On va commencer par ça. Donc en fait, on a reçu deux choses. On a reçu... Une boîte en carton. Une boîte ouais, en carton. Trop bien. Pour le lapin. Parce qu'il va le manger. Alors, on va l'ouvrir doucement. Il faut s'abonner à la chaîne également. Faut pas hésiter à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok. J'espère qu'il n'y a pas de trucs qui se craignent dedans parce que... Bah j'espère parce que j'ai coupé. Non, c'est bon. Oh, c'est trop mignon. C'est pour la Saint-Valentin. Regardez. C'est une boîte à chat. Mais non, je vois la pointe. Oh mais c'est trop bien. C'est une boîte toute douce. Regarde. Oh, c'est trop mignon. Oh, regarde, c'est... Ouais. Attention, ouais. C'est trop bien. On a partout. Oui, bah c'est pas grave. Et donc, c'est une petite boîte. Oh, elle est trop mignon. En mode fourrure. Et sur le côté, c'est marqué Super Mario 3D World et Bowser Fury. Puisque c'est les jeux que nous sommes en train de faire. C'est moi qui ouvre. 1, 2, 3. Oh, Super Mario 3D World. Le jeu 3D World, les gens. Avec un petit mot en disant chers joueurs, chères joueuses et chers joueurs, pour célébrer l'arrivée de Super Mario 3D World et Bowser Fury sur Nintendo Switch, je voulais trouver cette boîte nécessaire pour partager une aventure ronronnante avec l'élu de votre choix. Bah c'est bon. Oh. On a déjà trouvé l'élu. Enfilez vos coussinets. Enfilez vos coussinets. Il y a des coussinets. Oh c'est non. C'est des petites mitaines. Oh, c'est trop mignon. Super Mario! Bah, tu vas pouvoir jouer avec ça. Yeah! On tu pourras pas les pour sauver l'ensemble du royaume des Libellas, des griffes du terrible Bowser. Waouh! Si vous pouvez bien. Partager l'aventure jusqu'à 4. C'est cool! Ouais. C'est tout doux, hein. C'est trop tout, bien. Tout doux. Hein. C'est trop bon. Je pense que c'est des bonbons, ça. Je pense que c'est un. Tout est pour moi, en fait. Tout est pour toi. Tout est pour moi. Tout est pour toi. Alors, attends, faut que je l'ouvre, je trouve l'entrée. Et ça, c'est quoi? Là. Je sais pas. On aime bien recevoir des petits cadeaux comme mais, ça. Mais non, mais on découvre. On découvre ce que c'est. Oh, oh cool. Cool. DJ Icon. On va pouvoir jouer avec ceux-là. Ah, ils sont super beaux en plus. Ah hein. Ouais. Oh yeah. DJ Icon, les gens, dans la petite boîte. C'est trop mignon. C'est trop bien. Et il y a aussi une planche de... Non, je dirais que c'est des magnettes. Oh, on va pouvoir les mettre sur l'armoire. Attends, c'est sûr que ça s'ouvre. Oui, oui. Ah oui, il y a les ingrédients des bonbons. J'arrive pas à... Regarde. Yeah. Oh, c'est des bonbons pièces. C'est des petits bonbons pièces. C'est trop bien. C'est trop bien. Et puis la boîte, elle est en métal. Hein. Oh, je suis sûre que c'est trop bon. Ouais, ces trucs qui fondent. Oui, ah, c'est comme les... Oui, les sucettes qui fondent. Non, les colliers. Ah oui, c'est comme les colliers, je pense. Ah, c'est trop bien. Et regarde, c'est des magnettes, des aimants. Oh, génial. On va pouvoir les mettre sur l'armoire. Mais ouais. On va mettre Bowser. Chat. Moi, je mets les chats. LOL. Juste pour Guillaume. LOL. Bah bravo. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment très très stylé tout ça. Bon, est-ce que la prochaine vidéo je mets les gants? Enfin, prochaine vidéo, est-ce que je mets les gants? Tu peux si tu veux. Ok, pour le prochaine vidéo, puisqu'on a déjà tourné une vidéo. On a déjà tourné la vidéo de demain. On avance, on avance. Donc le petit jeu, les gens, vous le savez, il est sorti sur Switch. Et avec Bowser Fury, c'est deux jeux différents. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore fait 3D World, mais ça ne saurait tarder. Non. Vous le savez. Normalement, ça devrait arriver cette semaine. Moi, si je prends le vert. Ils sont super beaux. Mais non, mais c'est les Joy-Con Splatoon, non? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. On les a pas, ceux-là, je crois pas. Hein. Ils sont méga beaux. Hein. On a les Arms, on a les Gris, on a les. On en a certains. Ouais. Et là, on n'avait pas les. On n'utilise pas ceux de la Switch Fortnite, on n'utilise pas. Non. Ils sont collecteurs. Mais là, c'est cool, ça va pouvoir permettre de changer un peu de couleur. Attends, la Switch Fortnite? Il n'y a pas une nouvelle collector qui est sortie. Ah, t'as vu la transition de dingue. Bah ouais, il y a une autre collector. Et nous, on était très chanceux, les gens, parce que grâce à Nintendo, on peut vous faire présenter tout ça. C'est
On a eu un très beau colis. Donc faut l'avouer, les gens, non, on a eu très beau colis. Il est magnifique, on est... le colis. Et regardez ce qu'il y a en plus de tout ça, les gens. Ah, vas-y, tapis rouge. Les pétales de rose pour la Switch. Et là. Collector. Et là, 35 et là on peut Super pas Mario. Dire autre chose que merci à Nintendo, les gens, pour le coup. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais merci énormément. Ça fait super ça plaisir. Ça fait ultra plaisir. On va pouvoir vous présenter ça. La Nintendo Switch. Donc, pour les. En gros, c'est pas marqué dessus, mais c'est pour non. les 35 ans de voilà. Mario. Donc, aux couleurs de Mario, donc bleu et rouge, avec les petits fils des Joy-Con qui sont aussi différents. Ah il y a oui, une j'avoue. Pochette. Il y a une pochette, regardez derrière. Ça va être stylé. Hein. On l'ouvre. Pour la collection. Bah, on commence à en avoir quelques-unes. Oh, elle est belle. Avec toutes celles qu'on a achetées avant, avec la Fortnite, avec la basique, la Pokémon. Evoli, ouais, Pikachu, Let's Go Evoli. En elle rouge, rouge et donc c'est ça qui est énorme, et elle est les rouge gens. Derrière et en fait c'est ça qui est énorme parce c'est qu'en la fait première. Normalement ouais elles sont toutes noires normalement et là c'est la première qui est colorée ouais. devant bah, la et console derrière. Ouais, parce que les Joy-Con ah oui, il y a toujours eu des couleurs différentes mais là la console est rouge elle est trop il bon, y a juste regarde. Le petit truc derrière qui reste noir ouais mais comme il y a du noir devant mais c'est vraiment pas, le pas métal qui est teinté quoi c'est pas ouais, du tout un c'est pas un sticker c'est pas un vinyle c'est ouais c'est vraiment le métal ouais, qui est coloré et du coup je pense que le rouge il partira pas ah c'est ultra c'est stylé. Trop stylé pour le coup c'est marrant parce que bon il y a les Switch Lite qui sont très colorés mais là c'est vraiment le bloc de la Switch qui parce est de couleurs différentes vous pouvez la mettre comme ça hop du coup voilà. Tu peux faire des couleurs vraiment et différentes tu, peux, tu les mets tu fais multicouleurs mais du coup comme c'est déjà assez chargé en termes de couleurs les gens eh bien ils ont mis des Joy-Con qui sont de la même couleur que la console qui sont regardez. En couleur rouge. D'ailleurs, je me pose pas la question si c'est pas les mêmes que l'édition Super Mario Odyssey, où peut-être. Justement elle était, la console était noire, mais oui. les Joy-Con étaient tous les deux rouges. Mais est-ce que c'est un rouge différent ou un, comme un on rouge la, on peut pas comparer. Celle-ci on l'avait pas. Ouais, mais faut nous dire pour tous ceux qu'on l'a. On a pas Switch, toutes les Switch non plus. Super Mario Odyssey, oui. mais là, ça fait plaisir. Et donc celle-ci, les petits Joy-Con, on va les mettre dessus. Bah oui. Hop. Ah, ça rend bien. C'est vraiment, oh, c'est vraiment est... la même couleur. Elle est c'est vraiment cool. belle. Oh là, mais ouais, pour les fans de Mario, pour le coup là. Elle est très belle. Regardez-moi ça, franchement, elle est toute c'est, rouge. C'est classieux. Bah tout rouge vraiment. Et pour ouais. le coup, c'est vrai que c'était un petit peu le regret qu'il y avait un petit peu avant sur certaines consoles, même la Fortnite ou Animal Crossing. En fait, le bloc était toujours noir, noir. Bon avec des motifs comme oui. Let's Go Evoli et oui, tout, oui. avec des transparences, on voyait des petits personnages. Mais là, là du c'est coup, c'est une vraie couleur. C'est rouge. Uniforme. Bon voilà. à part le petit tic, mais bon, ça se trouve, je suis sûr, il y a moyen de le. Tu peux l'enlever. Hein. Voilà. voilà, tu vois. Et carrément en dessous les rouges aussi. Alors on voit le truc, mais le mieux c'est de le laisser. Et puis oui, ça se trouve, il y a moyen d'en trouver un rouge ou. Ou de le colorer. Hein. Voilà, ou de le colorer. Ouais. Hein, vous mettez un sticker dessus. Mais en tout cas. Elle est très belle. Elle est et en plus, même le tour là. Et rouge en fait. C'est et du coup, le. Ah oui, mais bah oui, mais c'est trop bien parce que du coup, ça change la boîte. Parce qu'il n'y a pas que la console, il y a aussi ben une non. pochette. Du coup, c'est un peu un packaging exclusif. Ouais, parce oui. qu'il y a la pochette Super Mario, donc bleu et rouge aux couleurs de la console. Il y a un protège écran. Oh, elle est trop belle, elle a l'air trop quali. Il y a toujours un protège écran. Je suis pas sûre, je sais pas, je sais plus. Regarde. Ah, c'est parce que c'est le paquet. Il y a, ah, il y a oui. les petits motifs de Mario. Non. Donc il y a sa moustache, il y a sa casquette, il y a ses petits gants. Ouais, elle est très jolie. Elle est très très belle. Non, moi je suis perplexe. Et bleu du coup de l'autre côté. Je suis sûr que ça fait partie du packaging avec la pochette. Et ça se trouve, la oui. pochette est vendue séparément avec un film plastique. Oui, et du possible. Coup, ils ont quand même mis le contenu là-dedans. C'est et possible. Du coup, t'as aussi un film protecteur. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Surtout, mettez bien un film protecteur sur votre Switch. Bah, en fait, là, l'écran s'abîme vraiment pas de la Switch. C'est par contre, c'est quand vous allez beaucoup l'utiliser et le mettre souvent dans le dock. Oui, voilà. Si c'est vous ça. Les mettez dans le dock, au bout d'un moment, il y aura des rayures pas sur l'écran, mais sur les côtés. Donc ouais. si vous mettez des plastiques, c'est nickel. Oui, oui, elle est comme ça. Oh, c'est trop bien. Franchement, elle est trop trop belle. Hein. On la range. Donc avec les petits trucs jaunes. Jaune. Donc couleur, vraiment, les petits points salopettes de Mario. Ouais, c'est exactement ça. C'est rouge trop mignon. Et bleu. Franchement, c'est cool. Bien, hein. ouais. Bah tiens, on devrait mettre le film plastique. Oh, je ferai après. Ouais, ouais je... non, ouais. Là, il y a des pétales, il y a de la poussière, on va faire attention. Non, on va pas le mettre à la rage. Ouais, on voilà. bien le mettre. Non, mais c'est très, très cool. Oh, elle est belle. Magnifique. Non, elle c'est est cool. cool. Ça fait vraiment couleur de Nintendo Switch Lite. Bah ouais, non, mais c'est mais vrai que... Mais en version non, Nintendo, bah, la normale, ouais. quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a eu la Nintendo Wii pour les 25 ans de Mario toute rouge. La DS... XL oui. Qu'on a aussi oui, en oui. rouge. En fait, on a les boîtes et à chaque fois pour les anniversaires de Mario, vous avez vu notre collection oui, de consoles. Oui, toutes les collections de notre console Nintendo, on avait les deux consoles et franchement, bah, on va pouvoir rajouter la collection, enfin celle-ci qui est collector pour les 35 ans de vas-y, Mario. Vas-y, je te laisse continuer. Tintin, tintin. Parce que ce qu'on veut voir, c'est oh, c'est trop bien. Oh, mais oui. Oh, ils sont ah, trop ils sont allés jusqu'au bien. Bout, quoi. Regardez les gens, il y a carrément. Ah, c'est trop bien. Les fils. Les fils qui permettent de noirs. S'accrocher au poignet, ils sont comme bleus. Comme là, par exemple. Voilà. Oui.
ils sont jaune, bleu et rouge, rouge, toujours en couleur de Mario, et carrément ça c'est bleu. Donc si on met avec le Joy-Con, ah, ça fait vraiment la salopette de Mario quoi. Attends, parce que moi je suis pas douée à mettre ça. attention, hein, ne les coince pas dans le mauvais sens. Non mais justement, j'ai pas envie de faire de bêtises. Tiens, ouais, tiens, non, je suis vraiment pas douée. Voilà, t'as vu, il est fait tout seul. Ah, c'est trop bien. Ah oui, ça c'est bon. Génial. Ah, ils sont trop cool. Ils sont trop. Bah celui-là, franchement, on va pas les abîmer. Non, celui-là, on va les garder. Ils sont vraiment magnifiques. Donc avec le petit bracelet qui fait limite... Ouais. Un petit bracelet des... Je sais pas, c'est marrant. C'est marrant, ouais. Bah c'est marrant parce que du coup, c'est vraiment plus coloré. En fait, la console, je pense que c'est la console Switch la plus colorée. Ah bah oui. De toutes les collections. Ouais, hein. Ouais, c'est, ça c'est sûr. Ça, tout c'est est coloré. Sûr. Donc c'est très cool. Et en plus, il y a un autre truc qui est coloré. Doc... Attends, c'est pas fini avec la manette. Ah, le chien. Ouais, on l'appelle toujours la manette chien, mais... Et là, cette fois-ci, elle est toute bleue. Attends, mais du coup, faut tester aussi. C'est trop bien. Donc là, on enlève. Est-ce que je serais plus douée avec la manette? Tiens, ouais, beaucoup plus facile pour moi. Ah ouais, pour le. Tiens, vas-y. Pour le coup. Trop bien. Elle est ultra colorée, ouais. Elle est vraiment ultra colorée. Franchement, regarde, c'est trop bien. C'est mieux. Ouais. Et t'as vu, avec les deux Joy-Con, on peut jouer à 4, c'est bon. On a tout le packaging pour jouer à 4, c'est à Super Mario. Exactement. Exactement. Elle est trop belle. Franchement, elle est super belle. Elle est super belle. Non, mais vous savez, les gens aiment bien recevoir des colis. On aime bien déballer des trucs. Donc les fils sont classiques. Hein. Toujours, en plus, HDMI dans Nintendo Switch, ça c'est vraiment cool. Donc là, l'HDMI qui est très qualitatif. Oui. Même, qui et du coup, le chargeur secteur. Chargeur USB-C. Ouais, parce que l'HDMI, c'est vrai qu'à comparer, honnêtement, c'est les seuls HDMI, on n'a jamais eu de problème. Parce qu'il y a pas mal de câbles HDMI qui sont défectueux au bout d'un moment, mais les Nintendo, ils sont tellement épais. Et pourtant, on les enlève, avec les game capture, les gens n'arrêtent jamais. Ouais, c'est ça. Et donc, je pensais qu'il était bleu. Le bouquet final. Et tu pensais qu'il était bleu, il est sur la. Ouais, je sais, mais je sais pas, comme il tout est sur bleu, la boîte. Je me suis dit que ça va être bleu aussi. Bah non, et bah non, rouge. Qui va tout ouvrir là? Non, vas-y. C'est ton cadeau de la Saint-Valentin. C'est... Mais du coup, je vais la payer, donc ça m'arrange. Je suis généreux quand même. Oh là là, c'est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Ah ouais, c'est cool. Attends, bah du coup, il faut que j'enlève. Mais non, mais c'est ça qui est cool. Voilà. C'est ici, commence à faire des... Attends, je vous montre les différentes versions. Donc là, on met dedans. T'as pas mis du plastique? Et tu fais attention. Non, attention. Alors, hop, première photo. Voilà. Donc là, c'est la photo de là. C'est la photo qui est là? Il manque la télé derrière, mais c'est bon quoi. Attends, nous sommes la télé. Je peux refermer. Deuxième option, tout rouge. C'est vrai que pour le coup. Je vois l'avion en rouge. Elle est stylée. Moi, c'est vrai que pour le coup, je trouve que c'est pas assez montré que c'est Mario. Et pourtant, c'est pas comme s'il le cachait, puisque c'est la Switch édition Mario. Il manque, je dirais, un petit Mario. Oui, c'est vrai. Ouais, mais après, ça fait classieux comme ça. Là, franchement, elle fait classe. C'est-à-dire que ça fait plus standard, ça fait peut-être pas, je dirais pas moins enfantin, mais plus épuré, ouais. Plus sobre, tout univers, quoi. C'est très quali, ça fait plus objet technologique. Ouais, c'est ça. Que plus un jouet avec un petit Mario. Ouais. Je trouve aussi. Voilà. Elle est très très belle. Elle est vraiment très belle. Derrière, c'est marrant parce qu'ils ont bien mis en évidence ces Joy-Con qui sont super stylés. Ouais, mais je la trouve justement, c'est sobre en fait. C'est ultra épuré. Ce qui est très cool, c'est que pour le coup, ils ont pris parti de faire une console ultra colorée. Qui va être dans le salon. Parce qu'en fait, la Switch Lite, tu dis, elle est colorée, mais tu la travailles partout. Oui. Là, tu vas la mettre à côté de ses concurrentes, tu vois, la PS5 et tout. Mais en fait, ça sera la console rouge. C'est un peu ça. Parce que t'as la console blanche, la console noire, t'as la console grise, t'as toujours eu. Et là, c'est la console rouge. Et ils ont fait pareil avec la Wii U, la Wii Mini. La Wii, ouais. La Wii. Et là, du coup, bam. Regardez, tu le mets à côté de ta télé, tu la vois à 10 km. Ah, ouais. Nintendo. Ah, oui, tu l'as vu. Je voulais juste montrer comment. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ta console? Nintendo Switch! Aïe aïe aïe, les gens. Et puis après, maintenant, faut tout paramétrer. Voilà, faut tout paramétrer. Ah ben rouge, 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 hein! Nintendo! Rouge. Yeah! Et après, maintenant, faut tout paramétrer. On verra ça plus tard. Non, franchement, elle est très belle. J'aime beaucoup, en plus, l'accessoire qui est indispensable si vous voulez la Nintendo Switch et la transporter, c'est ça. Ouais. Nous, quand on transporte, on a toujours une petite pochette parce que c'est vachement bien. En version rouge, ouais, moi je trouve qu'elle claque quoi. Elle claque, ouais. Elle claque vraiment. La couleur rouge, c'est toujours un petit peu lourd à mettre dans une déco. Mais là, pour le coup, jeux vidéo. On a un énorme cadre rouge chez nous. C'est une console pour nous. On va pas l'utiliser, mais on va la mettre dans le salon. Ouais, c'est ça. En objet de déco, regardez, on a la collection Mario. Non, mais elle est très très jolie. Elle est vraiment super jolie, les gens. Franchement, merci Nintendo encore une fois. Faut nous dire si vous avez craqué dessus. Faut nous dire si avec vous jouez également à Super Mario 3D World et Bowser Fury. Je peux aussi te dormir sur ton oreille. Ah. Et puis si jamais. Oui, franchement, je kiffe la
la boîte. Ah ouais, ouais. Et puis si jamais on casse un Joy-Con, bah, c'est bon, on en a de rechange. Ouais, et il faut qu'on mette les petits aimants sur notre frigo rouge. Bah, est rouge. Hein. Oui, en plus, on a plein de pièces rouges partout. Ouais. Faut nous dire quel aimant on met derrière. Hein. Ouais, honnêtement, les gens. Les chats. Mais non, Bowser Fury. Les chats pour Guigui. Comme ça, ils vont nous suivre tout le temps. Il en fait des cauchemars de chats. J'étais persuadé qu'il servait à quelque chose. Vous le savez, les gens, si vous avez suivi le Let's Play, en tout c'est cas. Exactement ça. Franchement, les gens, merci encore Nintendo. Je suis obligé de le dire plein de fois parce que merci à eux, c'est énorme ouais. Ce qu'ils nous ont envoyé et ça fait ultra c'est plaisir. Oui, c'est Noël après Noël. Non, et en plus, ça va permettre de vous donner notre avis sur un produit que oui. Nous, on n'a pas précommandé de notre côté parce qu'on avait déjà acheté il y a pas longtemps la Switch Fortnite. Ouais, exactement. Qui était énorme aussi avec le skin offert. Et ouais. Là, c'est vrai que du coup, c'est vraiment un objet Mario. Et en plus, si vous n'avez pas la Switch encore et que vous hésitez à acheter. Et que vous kiffez le rouge. Alors, là, vous êtes servi. Hein. Si vous voulez une pièce maîtresse rouge dans votre salon, c'est la Switch. Ça. La Switch Mario. Mais non, il faut nous dire ce que vous en avez pensé. Ouais. On va ranger tout ça, vous inquiétez pas. À s'abonner à la chaîne parce que, comme vous le savez, en ce moment, on est à fond sur Mario. Ouais. On fait le Let's Play. Il y aura le Let's Play de Super Mario 3D World derrière. On est bientôt. Nous, on a déjà tourné un petit peu. On est bientôt à la fin. Ouais. Mais c'est pas la fin parce que vous verrez. Vous verrez les gens en tout cas. Et puis de toute manière, il y aura 3D World qu'on ira tester. En ligne. Peut-être avec moi, j'ai vous hâte de découvrir ça. Si on tombe par hasard avec vous, en fait ça, on fera du hasard les gens, il n'y a que deux personnes je pense qu'on jouera ouais. Vraiment en random mais c'est si ça. Jamais on tombe avec vous, il ne faudra pas hésiter à le dire. En tout cas les gens, abonnez-vous à la chaîne, Mario n'est pas fini et puis en plus grosse nouveauté de cette année c'est celle-ci donc on espère qu'il y en aura d'autres pour les 35 ans de Mario. De toute manière, il y a déjà Animal Crossing qui arrive normalement cool. Au mois de mars. On a hâte de découvrir tout ça. Faut pas hésiter à mettre un maximum deux pouces bleus comme ça. Voilà. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Yumi Kim. Allez, salut!